Meet-up jeune pour des élections apaisées avec zéro désinformation en 2023. C'est sur ce thème que de jeunes leaders engagés se sont retrouvés le vendredi 1er septembre 2023. Ce panel s'est tenu en présence de jeunes blogueurs, d'activistes web, de leaders d'organisations d'enfants et de jeunes. Organisé par le réseau Action, Justice et Paix, l'objectif est d'encourager l'éducation aux médias pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous organisons des rassemblements jeunes pour outiller la jeunesse sur les techniques, les bonnes techniques d'utilisation des informations au cours des périodes électorales. Tout ça dans l'objectif de prévenir d'éventuels conflits liés aux élections en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons que les élections, les jeunes sont vraiment des maillons qui sont utilisés par les décideurs, par les partis politiques au cours des périodes électorales et qui payent le prix fort après les élections. Les jeunes sont appelés à faire preuve de civisme et de citoyenneté avant, pendant et après les élections en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à développer un esprit critique face à la vérification des fake news. Manipulation ressort de l'ignorance. Étant jeunes, nous ne devons pas se faire manipuler concernant les élections municipales, mais nous devons apporter notre voix. Les élections municipales. J'ai incité mes camarades jeunes à vraiment avoir un comportement civique et à vraiment éviter de publier des informations qui ne sont pas avérées sur les réseaux sociaux. Chacun doit être responsable et poser des actions en faveur de la paix. Notons que le réseau Action, Justice et Paix est une coalition de 16 organisations de jeunes et d'enfants créée au lendemain des crises de 2010-2011 pour soutenir la prise en compte des enfants et des jeunes dans les processus de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire.